Aujourd'hui, on se retrouve avec des chats. Enfin, un chat principalement. Il s'appelle comment le chat d'ailleurs au caméraman? Saba. Saba. C'est vraiment ça de l'intro. Aujourd'hui, on se retrouve avec des chats. Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième annonce. Enfin, la deuxième version de la vidéo annonce. Non mais arrête. L'histoire c'est qu'on avait fait la première version de cette vidéo annonce. Sauf que comment dire, on n'avait pas fait le focus. Donc du coup bah c'était un erreur de débutant. Surtout qu'en plus on avait parlé quoi pendant... Je crois qu'en tout on avait parlé pendant 19 minutes. Donc on se retrouve bah du coup dans la deuxième version, dans un nouveau lieu avec un caméraman. Tu peux te présenter caméraman? Je m'appelle... Tu te calmes. Je m'appelle Gabriel. Et ce lieu splendide c'est chez moi. Voilà. Et ces chats ce sont ces chats. Vous avez vu comment on est cosy là ici? Genre, on est bien, bien là. On est bien là. Là on est bien. On est bien. C'est une vidéo annonce parce qu'on a deux... Très bien. Donc, alors non, ça va pas le faire. Je l'enlouche, mais espèce de taré, tu vois. Non, non, il revient. Non, ça va, viens là. Mais non, mais Donovan, t'es sérieux? Donovan n'est pas doué avec les chats. On a qu'à prendre un autre chat, et comme ça, à chaque fois, on prend deux chats. Mais Donovan, il fait peur à un chat. Solution? Trouver un autre chat. Oh bah mince, j'ai tué mes amis. Solution? Trouver d'autres amis. Il avait un sapin, donc il est pas prêt de se barrer. Ça s'appelle comment celui-là? Nori. C'est une vidéo annonce parce qu'on a deux grands projets à annoncer. Tout d'abord une nouvelle chaîne, un changement on va dire en quelque sorte. C'est pas un changement, c'est plutôt un ajout. Ouais. On met ça comme une petite extension comme sur Chrome. Alors dans un premier temps, on va parler d'une nouvelle chaîne YouTube. Les uns professionnels, c'est souvent je considère pas ça comme ma chaîne YouTube personnelle parce que même si tu t'investis, même si je fais le montage, même si je gère les vidéos, tout ça, il y a pas mal de gens qui sont acteurs, qui sont caméramans, également réalisateurs, écrivains, tout ça. Pour donner un exemple. The Inspector, on l'écrit avec Thomas et Tarius et Thomas. Donc, vu qu'il y a pas mal de gens qui bossent sur les vidéos, moi je considère pas comme les improfessionnels, ma chaîne YouTube personnelle à moi. Le truc, c'est que vu que les improfessionnels, c'est basiquement bah, des fictions, c'est des courts-métrages. C'est un format qui est assez restreint et on veut pas trop sortir de ça pour l'instant. On veut pas trop sortir. Ouais. Mais du coup, pourquoi il. Qu'a fait ce caméraman? Caméraman? Tu veux filmer les poules? Non, désolé, je regardais mon tel. Eh, tu vois, tu vas te virer toi. Bon, tu vois, elle m'a embauché, il est même pas payé. Mais moi, personnellement, ça me restreint parce qu'il y a plein de vidéos, de trucs comme ça que je voudrais faire, mais qui du coup, ça, c'est pas la fiction. C'est pour ça que je vais lancer ma chaîne YouTube personnelle en quelque sorte, qui va s'appeler Donosaur. Est-ce que t'as regardé Motus, caméraman, tu connais? On s'en fout! Mais putain, mais t'es sérieux? Sur cette chaîne YouTube, bah déjà, bah il y aura un peu de tout. En fait, dès que je voudrais sortir une vidéo, je la sortirai. C'est des petits concepts, des petits trucs où je parle tranquille, des vidéos gaming. On voit plus le chat que moi actuellement. Ça pourrait être un peu tout, par exemple, ça pourrait être des vidéos très simples où je parle ou des trucs comme ça. Ou comme des vidéos un peu thématiques, un peu comme Liam fait sur cette chaîne. Des vidéos thématiques un peu plus montées. C'est en fonction de mes envies. C'est très intéressant d'ailleurs. Et le caméraman, il y a une chaîne YouTube ou pas? Non. Une chaîne YouTube. Pas encore. Bah il a une chaîne musicale. Une chaîne YouTube. Oui c'est vrai mais j'ai fait deux musiques et c'était juste des tests. A tout hasard je passerai un jour ouais. Un jour peut-être. Un jour je serai actif. Non pour l'instant c'est juste des tests. Un jour je serai le plus grand actif. Ta da da. Ta da 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 da. Ta 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 ta. Mais Dona tu fais peur à tous les chats. Donc sur ma chaîne YouTube il y aura un peu tout et je sortirai que comparé aux non professionnels où on a un rythme à peu près une vidéo par semaine, ce sera un rythme un peu plus irrégulier. Un peu plus bas les couilles. Le rythme c'est principalement pour faire des concepts qui sont hors fiction etc. Là l'idée c'est que bah je vous parle de ça, c'est ma chaîne YouTube personnelle donc il y aura des trucs comme ça et vous dites bah qu'est-ce qu'on s'en fout bah. Oui, yes. Parce que c'est vrai que si vous voulez pas fond ma gueule, ça sert à rien pour ça. Faut faire un sondage Dono ou Liam? Non, oh, Dono ou Tabouret. Dono ou Tabouret. Tu peux aller chercher un autre chat. Un autre Tabouret. Un troisième chat. Genre s'il y a un troisième chat. Ça, non mais non, n'essayez je pas. Je tiens à dire que la maison du caméraman est incroyable. Une note sur 10 sur ta maison 30. 30, et ben, quel est l'intérêt que je lance, enfin que je vous dise que je lance ma chaîne YouTube personnelle? Ma chaîne YouTube personnelle va être un peu un sort de complément. D'enquête, j'ai un nouveau chat. Ninocha, il s'appelle. Ninocha, tu peux dire bonjour à la caméra, s'il te plaît? Non. Oh putain. C'est pas du tout mon métier. C'est pas du tout mon métier. Quoi? Au final, je pense que ça fait quelques années que je me sens un peu mal avec moi-même. Tu dis quoi? Pardon, j'ai eu un moment d'absence. Non, ok. C'est surtout qu'après. Et tu veux une anecdote? Ouais. Quand j'étais plus petit, et bah je la prenais par le cou. Ouais. Et je la mettais dans ma poubelle et je la laissais toute la journée et ma mère elle allait la délivrer le soir. Pourquoi tu? Et j'ai fait ça plusieurs fois et elle en a tellement été choquée que maintenant, à chaque fois que je touche le cou, elle commence à. Non, arrête! Toi, tu voulais faire. Résultat, j'ai traumatisé mon chat quand j'étais plus petit et je m'en veux. Non, mais par contre, tu veux. Je sais quoi, tu. Tu la mettais dans la poubelle et tu fermais le couvercle. C'est ce que je leur ai dit! Toi, tu l'as traumatisé. Bah, c'est traumatisé en quelque sorte là. Ah non, mais moi j'adore être enfermé dans les poubelles. Mais non, mais y'a pas. Ikea! Ikea! Allez, venez le chercher, il est là! Bah, il arrive! Vas-y! Vous aimez bien cette vidéo jusqu'à maintenant? Ils sont où? Non mais t'es le caméraman, t'es très gentil je trouve. T'approuves tout ce que je dis. Oui, c'est normal.
Tu es quelqu'un d'incroyable. Oh. Quand je dis que ma chaîne YouTube sera une sorte de complément de design professionnel, c'est parce qu'il y aura des vidéos du style. Oh, ok, ok. Alors il y a un chien, bonjour Ikea, tu peux te présenter voilà. Ah mais génial. Est-ce que vous pensez que Ikea pourra lancer sa prochaine chaîne YouTube? Tu vas lancer la carrière de mon chien comme ça toi. Regardez-moi cette tête. Cette sympathie là. Faut peut-être recommencer la vidéo parce qu'on a censé tourner une vidéo là. Bon, parce que moi en fait je suis juste allé chercher tous les animaux de la maison. Mais... Oh... Qu'est-ce qu'il y a? Oh, t'es trop mignon. T'es trop mignon. C'était le petit moment mignon de la vidéo. Note à moi, à plus tard, pas refaire des vidéos avec des animaux parce que du coup on oublie de faire la vidéo. La chaîne YouTube ce sera un sorte de complément pour les uns professionnels. Il y aura des... Par exemple, la vidéo bonus des cas, c'est un truc en général qu'on ne sortirait pas sur les intros et c'est un truc complètement what the fuck que, qui aurait typiquement voilà. Pu sortir sur de nos... Il y aura par exemple des vlogs de tournage, des petits trucs comme ça. Des making-of, etc. Ouais, peut-être genre... Des petits making-of. Peut-être des vidéos anecdotes, tu vois. Ouais, voilà, oui, ouais, grave. Moi, le truc, c'est que j'aimerais bien aussi faire pas mal de vidéos à plusieurs, tu vois, genre parce que c'est plus cool de faire des vidéos à plusieurs. Hors concept, je veux dire sans se prendre la tête de faire une fiction avec un réalisateur. Genre juste en format vlog, en format caméra emportée quoi. Quand on dit des vidéos à plusieurs, c'est pour essayer des petits jeux entre personnes, tout ça. Enfin, en tout cas, c'est des trucs un peu plus... Réduire de la biscotte en vidéo. C'est pour ça que ma chaîne YouTube, ce sera d'abord où je fais des vidéos, mais en même temps, il y aura des vidéos avec d'autres gens, avec Joshua. Voilà. Donc voilà, c'est Donosor. La vidéo présentation de la chaîne YouTube est déjà en ligne. Je la mettrai en description. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Il y aura sûrement des vidéos assez rapidement. Donc c'était la première annonce. Maintenant, on va passer à la deuxième annonce. Liam, je te laisse le chargeur. Alors c'est très simple. La deuxième annonce c'est assez important. Donc je vous ai dit tout à l'heure que c'est vrai qu'avec les impros on essaye de garder un rythme. Ça nous arrive de devoir poster des vidéos un peu au dernier moment et du coup de faire des concepts qui sont pas forcément évolués. Là en gros ce qu'on va faire c'est que il y a... Ça va? Je me suis pointé le doigt dans l'œil. Est-ce que le caméraman c'est con d'avoir fait ça? C'est con d'avoir fait ça. D'accord. En fait le caméraman il répète tout ce que tu dis. Et est-ce que le caméraman il fait beau? Oui il fait beau. Est-ce que le caméraman il tient une caméra? Oui il tient une caméra. Ouais, est-ce qu'il a une âme? Bref, du coup, la deuxième annonce, c'est tout simplement qu'il va y avoir une branche sud. Les improfessionnels sud, ça va s'appeler. Tu peux expliquer qu'est-ce que c'est? Eh ben, qu'est-ce que c'est? En gros, Waouh! Il me faut un chat pour me concentrer, c'est bon. Attends, je vais te passer un chat là. Tu veux te voir, caméraman. Monsieur caméraman. Monsieur caméraman, est-ce que vous cadrez bien? Je cadre bien. Attends, vas-y, dis un message, parce que là, que Dono verra que au montage. ASMR. Dono, ce soir du samedi 37 novembre, et pas j'ai oublié de mettre la capote. Ouais, allez. Ah. Tout va bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu découvriras des choses. Oulala. Il va y avoir du coup la branche des impressionnistes du sud, je te libère le chat. Si jamais vous êtes déjà allé sur ma chaîne, vous avez peut-être vu les épisodes. Non, je suis pas allé. Non mais Gabriel, tu ne parles pas en même temps. Pardon, excuse-moi. Non mais, Mon ami là. Si vous êtes déjà allé sur ma chaîne, vous avez peut-être déjà vu les épisodes des deux cons. Donc c'est les épisodes que j'ai fait avec Eloane, donc il y en a deux. Principalement, la personne qui va gérer du coup avec moi les professionnels du sud, ça va être Eloane. Parce qu'en gros, ce qui se passe, c'est que moi, j'habite à la fois en Vendée et en Rhône-Alpes. 800 km qui nous séparent. J'ai plein de potes qui là-bas, en Rhône-Alpes, ont envie de faire des vidéos, mais qui ont pas forcément la technique, etc. Donc en fait, moi je vais être là-bas pour les cadrer, pour leur montrer un peu comment faire, etc. Pour les assister un peu en fait. Et pour participer à certaines vidéos, voilà. Pourrait faire de la liaison entre ceux qui sont là-bas et ceux qui sont ici, du coup. En gros, pour vous, ça changera rien. Il y aura juste un peu plus de vidéos et il y aura juste certaines vidéos qui seront de c'est la ça. France. Il y aura des vidéos des improfessionnels du sud. Et en fait, là, vous allez vous dire, oui, mais alors vous arrivez très bien à tenir un rythme d'une vidéo par semaine. Alors qu'est-ce que ça vous apporte à vous en fait de faire ça? On aura des vidéos toujours une par semaine qui viendront aussi des improfessionnels du sud. Donc, du coup, on pourra avoir plus de vidéos en avance. Ouais. Ça veut dire que quand on voudra tourner une vidéo, on pourra prendre 2 semaines pour bien tourner, ça sera beaucoup moins fatigant pour nous, plus pratique, et on pourra faire des meilleures vidéos. L'année prochaine, nous, on sera en terminale. Tout ce qui est Joshua, Joa, tout ça, ils auront le bac de français, tout ça. On sera beaucoup plus pris par les cours. Ça va être compliqué de toutes les semaines assurer un tournage, parce qu'en fait, les week-ends, ça va être plus être des week-ends de révision. Tu peux faire un avis constructif et détaillé sur le système éducationnel en France? Je trouve que le système éducatif... C'est pas le sujet. Donc du coup, les improfessionnels du Sud, ça va me faire gagner beaucoup de temps. En fait, c'est bénéf pour vous comme nous.
aurez autant de vidéos, peut-être voire même un peu plus de vidéos. Et nous, on pourra avoir plus de temps pour faire des vidéos et de faire des vidéos encore plus qualitatives. Franchement, l'humour est assez semblable, c'est toujours un peu de l'humour absurde, vous arriverez à comprendre. Et vous aurez du coup en face de vous des concepts un peu nouveaux qui viendront des nouvelles idées en fait d'autres personnes. Pour savoir quelle vidéo sera des improfessionnels du Sud, il y aura ce logo, je mettrai en logo ici, donc il y aura ce logo que j'ai ainsi créé. Un alligator là. Un orang-outan. On va mettre un orang-outan là. Mais du coup là on met une tour Eiffel ici. Là. Ouais. Il y aura François Hollande. C'est un problème. Donc il y aura un logo et il y aura une intro spéciale. Comme... Mais un chat chacun. Il y en a un là mais. Un chat chacun. Tu fais quoi? J'explique plus ce que tu vas lui faire. C'est à la vidéo de la mignonnerie des chats. C'est pour ça que vous devriez vous abonner. Oui, abonnez-vous, il y a des chats. N'empêche, tu lui as fait peur, je te rappelle, regarde. Bon, faut peut-être faire l'outro de cette vidéo un jour. William. Tu veux bouffer mon sac. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Il est vraiment, il a fait tomber. Il va peut-être partir là. Donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo annonce. Merci aux caméramans d'avoir participé. C'est pas vraiment des caméramans. C'est des cadreurs. Qu'est-ce que... Mais pourquoi on dit caméramans? En fait, depuis le début de la vidéo, on se trompe. Merci également à tous les chats qui ont participé. Ça va très loin là. Oui, il faudrait peut-être arrêter. Oui, bah du coup, au revoir. Allez, bonne vidéo, au revoir, allez, salut, hop.